Et que là, on est à l'aéroport, on avait passé toute la sécurité, j'ai oublié de vlogger le début. On était à l'œil de l'autre douane, là, comme, on était là. Genre, on s'en allait vraiment, genre, passer les douanes. On était vidé dans nos sacs pour passer la sécurité. Je fais, c'est dernière. On a oublié d'aller chercher l'argent. On a commandé de l'argent, et, ben, pour les pesos philippins. Ah ouais. Puis, ben, c'est ça. Fallait aller la chercher avant de partir, puis on a oublié. C'est que la madame nous a dit de retourner l'autre bord. Puis là, on va pouvoir repasser la sécurité après ça. Oh là là! Ok, là, on fait de l'espace pour les photos qu'on va prendre parce que là, on est juste dans l'avion et j'ai déjà pris genre 15 photos du ciel. C'est notre premier vol. Un vol sur 10. On a eu des petites rappels. On est maintenant au New Jersey, pas à New York, au New Jersey. Puis on a fait le tour de l'aéroport quasiment parce que on a essayé de trouver de la bouffe, mais tout est vraiment trop cher. Fait qu'on a fini dans ce petit restaurant qui s'appelle le Garden State Dinner. Puis je me suis pris des cassatières. Donc après genre 5 heures d'escale, on embarque dans notre prochain vol. Et moi, ma place, c'est 46J. C'est 34 mais je suis pas sûre qu'il y ait une rangée. Je sais pas ce que je vais avoir. Peut-être dans l'allée. Donc, on est maintenant à San Francisco. Oui. Ben pour nous, il est 11h20 du soir, mais ici, il est 8h20. Fait que. On va dire, ben, pourquoi qu'on s'en va se coucher? Parce que. On est dans la même chambre d'hôtel pour la nuit. On peut pas payer, genre. Non. Au moins. Puis, ben c'est ça, ça sent la cigarette, ça c'est nos petits oreillers. Voilà notre souper. Un petit sandwich de dépanneur puis des chips. On embarque dans notre vol de 17h. Puis, il y a personne à côté de nous. Il y a personne là. Le boarding est fini là. Il y a personne d'autre qui rentre. Oh, on va pouvoir étendre nos jambes, oui. On va pouvoir... Maintenant, si on veut changer de place, on va aller, si on veut, on va pouvoir avoir la place. On va pouvoir se coucher. Donc, au moins, je suis soulagée. On a le départ, un repas. Les lumières s'éteignent pour dormir. Ensuite, on a un genre de petit déjeuner. Les lumières s'allument, un autre repas. Et après, on arrive. Donc voilà à quoi ressemble de l'argent de Singapour. On va aller s'acheter une carte de bus parce qu'on fait du backpacking. On prend pas le taxi. On prend pas le taxi à Singapour. Non. Parce qu'en plus, nous autres, on s'attendait à ce que l'argent de Singapour avale comme moins cher et que ça nous coûterait moins cher. Mais ça nous coûte plus cher qu'au Canada. Parce que leur argent vaut plus que nous. Est-ce que notre argent vaut de la merde, hein? Oh, comment ça marche? Non. C'est dans mes fancy. On n'a pas de vue. On n'a pas de fenêtre. C'est minuscule. Ça doit coûter combien ça paraît, c'est minuscule. Oh my god. Moi qui étais comme, oh la vue va être belle. On est tous à 5 étages. J'ai même pas de douche. Non. Hein? Elle est là. Hein? j'ai jamais genre eu un matelas aussi dur que ça. C'est dur! Donc là, on est en petite pause de dos parce que c'est crissement lourd, honnêtement. Puis on vient de prendre genre deux bus pour venir à la marina de Singapour. Puis il y a comme la grosse... c'est comme un bateau, genre, en tout cas c'est drôle. Fait que c'est ça, on va explorer un petit peu avant de retourner à l'aéroport. Première fois que je mange des dumplings, wouhou! Il y a une madame qui est venue me voir, puis elle m'a parlé en
mandarin et en anglais. Puis là, t'es comme, j'avais genre pas mangé toute mon assiette, pis t'es comme, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle disait, là, comme, est-ce que tu peux l'apporter? Puis là, j'étais de même, ouais. Là, t'es comme, demande un sac, tu commandes, pis t'es comme, ok. Elle dit, oh, je vais aller en chercher un pour toi, fait que là, j'ai mis le résultat dans un sac. Je vais juste aller le jeter, là, c'est juste que je voulais pas le faire devant elle. Parce que, genre, c'est pas safe, là, garder ça au chaud, vite. Fait que je vais juste aller le jeter après, mais quand. Elle était tellement cute, elle allait me le chercher et tout. La place genre insane de l'aéroport. Ouais. Avec ta grosse chute. Puis que tu vois, c'est l'eau, j'entends les petites chutes là-bas. C'est tellement beau, là. Puis genre, tu sais, l'eau coule du plafond ici, là. C'est insane. C'est le temps de souper à l'aéroport. Burger King. Eh mon dieu, hein. Grosse gastronomie asiatique. Un petit pain au chocolat. Puis il y a quand même beaucoup de tranches dedans. C'est bien. Puis des petites chips que je voulais essayer. Puis c'est bien un croissant aux framboises. Puis des petites chips ici. Ça ressemble à des pouches. Hein? Ouais. Puis ça a coûté chacun 1,82. That's great. On aime ça. Ok, on est dans le taxi. On est dans le Hachette. Il était tard. Il était genre 16. Mais on est bien. Ouais, ouais, ça fait du bien. Room tour. Ici, on est à la salle de bain avec le filtre de douche qu'on a installé. Elle est beaucoup plus grande que dans l'autre chambre qu'on avait hier. Ensuite, on a la chambre. Et c'est Denia qui vient de redéfaire son lit. Et on a une belle petite vue. Voilà. Comme on peut voir dans la vidéo en ce moment, je suis dans une place très sécuritaire. Dans le fond, on voulait aller à Paille, puis on avait vu sur internet qu'on pouvait se rendre en minivan. Mais nous, on pensait pas qu'on devait réserver genre full d'avance. Fait on s'est juste présenté là-bas, puis là, il était quand même, on est plein et tout. Il n'y a pas d'autre moyen vraiment de se rendre, soit en minivan, soit en minibus. Mais il n'y avait pas de minibus qui y allait aujourd'hui. Fait que là, il fallait en réserver un au complet. Et ça, ça coûte 2500 bahts. Ce qui équivaut à 100$. Canadien, oh my god! Puis honnêtement, c'est. Je sais pas quel point c'est sécuritaire. On a sauvé un petit peu comme ça avec nos bagages. Puis genre, la fenêtre en arrière n'est pas fermée. Mais la porte. Fait que c'est ça. C'est. Ben, au moins la vue est nice. Genre, c'est cool. Fait que voilà. On vient d'aller se chercher un peu de manger parce qu'on s'en va faire une randonnée. Puis dans le fond, on mange du riz. Puis du poulet, mais le poulet, il a fait un peu peur. Ouais. Update, on mangera pas le poulet. Il est tellement raide que clairement, il est là depuis hier. Quand on est passé là, il y avait du poulet puis on aurait dit qu'il n'y avait pas bougé de là. Fait qu'on peut pas prendre de chance. On va manger du riz. Point de vue en ce moment. On vient de repartir des genres de grosses grottes. On dirait à chaque fois que je dis grotte, ça sonne comme crotte. Puis c'était vraiment beau, honnêtement.
Honnêtement. Vraiment, ouais. Puis. Ouais, c'est ça, là. Là, on a un point de vue, mais on voit pas grand chose, parce qu'il y a beaucoup de brouillard, genre. De fumée, en fait, peut-être. Ouais, c'est peut-être la fumée. Parce qu'ici, ils font brûler leur champ, ou je sais pas trop quoi. Fait que. En tout cas, c'est sûr, il y a bien de la fumée partout, puis ça sent intense, des fois. Puis là, après, on s'en va voir un coucher de soleil au camion. Ça, ça va me réveiller. Ça, ça va être le. Ici. C'était un peu sketch pour monter ici à la nuit. Pour vrai, j'ai vraiment pas content, là. Mais ça. Non, ça a bien été. Mais je nous ai hype up. Ouais. Je nous ai hypé. Ouais. Je sais pas comment on dit. Mais on l'a. On prend des photos pendant qu'on monte. C'est le meilleur souper que j'ai mangé depuis un très long bout. Ben, les pâtes étaient vraiment bonnes. Mais ça... Excellent. Chef-less. Chef-less. De pacter parce qu'on doit s'en aller. Ouais. Voici Megan dans la chambre. Sa toque touche au plafond. Ça, c'est ça, monter la marche. Et puis, je me couche. Wow! Ouais, c'est super. Ça. On est en train de booker des bus et des ferries pour le restant du voyage parce qu'on ne veut pas repayer 50$ pour un trajet. Par contre, c'est vraiment compliqué pour les Philippines. Beaucoup plus compliqué que ce que je m'imaginais. C'est hyper compliqué. Mais bon, on va y arriver. Puis là, je suis un peu en panique parce que j'ai eu mon vaccin pour l'encéphalite japonaise. Mais. Il est pas encore actif. Oh shit, j'ai manqué. Il est parti. Ah, il est là. Mais. Non. Mais il est pas encore actif, mon vaccin. Puis là, à l'autre hôtel, on n'avait pas tant de moustiques, honnêtement. Genre, je comprends pas pourquoi ici, on est à genre 15 minutes de marche de l'autre hôtel. Puis ici, il y en a fucking. Je comprends pas pourquoi. Puis ici, il n'y a pas de filet pour dormir en dessous.